Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 4, chers amis. Donc, la dernière fois, nous avions donc aidé ces gens. Je crois pas vous connaître. C'est la première fois que vous venez dans le coin. Oui, Roger. Et vous ? Ouais, on peut dire ça. Et vous ? Vous avez toujours vécu ici ? Ouais, je suis un gars du Commonwealth, 100% pur jus. Ma famille vient de Danvers. Ma femme et moi, on s'est installés ici il y a une douzaine d'années. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi installer une ferme dans un endroit pareil ? Elle paye pas de mine, et puis, il y a l'odeur. Mais justement, c'est le truc. Vous voyez ? Avant, il y avait une station d'épuration ici, juste sous nos pieds. Il y a la terre la plus fertile de tout le Commonwealth. C'est une idée, effectivement. Ça a du bon et du mauvais. C'est bien de voir le bon côté des choses. C'est ce que tout le monde essaie de faire. Si vous trouvez quelque chose par ici qui n'a que des bons côtés, prévenez-moi. Je dois bien admettre que rien que le fait d'avoir cette conversation me fait prendre conscience de la chance que j'ai. Oh. J'ai eu quelques coups durs, il n'y a pas si longtemps. Un groupe de super-mutants nous a attaqués. Ils ont dévasté nos champs. Avant, les miliciens nous auraient aidés. Mais aux dernières nouvelles, ils étaient trop occupés à se faire la guerre entre eux pour se soucier de nous autres. Ah, c'est marrant, tu parles à leur général. Seul, et on a bien failli mourir de faim. Personne ne devrait voir sa femme et ses enfants souffrir. Pas vrai ? Il y a du vrai. Vous n'avez pas entendu parler du retour des miliciens ? Les miliciens sont de retour et on ne vous laissera plus tomber. Sans vouloir mettre votre parole en doute, je vais attendre de voir pour en juger. Enfin bref, n'hésitez pas à acheter un œil à la ferme. On a des choses à vendre si ça vous intéresse. C'est June, ma femme, qui tient la boutique. Nos enfants s'appellent Janet et Wally. Ils sont toujours curieux quand il y a des visiteurs. Mais ils ne devraient pas trop vous embêter. C'est marrant, ils sont très humains en fait. C'est vraiment plaisir de vous parler. J'espère que vous reviendrez nous voir bientôt. Ils sont extrêmement humains, c'est assez incroyable. Je vais peut-être pas les piller alors. Non, je crois qu'il y avait quelqu'un là-bas. Ok, bon, de toute façon, on devait aller retourner voir Rowdy, hein, si je me trompe pas, du nom. Alors, elle se trouve normalement ici. On va voyager rapidement. Et on va essayer après de rejoindre en courant, entre guillemets, leur ferme pour voir si on peut les rejoindre facilement ou si on essaie de faire tout le tour de la péninsule, entre guillemets. Alors, tels leurs illustres prédécesseurs de la Révolution américaine, les miliciens modernes sont dévoués à la défense du peuple, j'imagine. Oh bah merde, il y a 5 minutes. De l'autre côté là-bas. Ah oui, il doit y avoir moyen de traverser. Cool. Oui, on peut se poser ici un moment. Rowdy, Rowdy. Ah, t'es là. Hey, Rowdy. La forme. Rowdy. Fini. T'es toute mouillée, dis donc. Ça schlingue. Vous avez une dette envers moi. Ouais. Et vous avez intérêt à me filer quelque chose en échange de tout ce boulot. Je crois que t'as pas bien pigé le principe d'un test. C'était un vrai dépotoir là-bas, hein. Merci d'avoir fait le boulot à notre place. Oh, je te vois. June dit que vous aidez beaucoup les Warwick. Quand on a trouvé cet endroit, ils nous ont aidés à démarrer. Ils nous ont filé à bouffer sans jamais rien demander en échange. Alors on s'est dit qu'on pourrait réparer leur pompe, histoire de virer toute cette boue dégueulasse. Pour les remercier, quoi. Va pas raconter partout que les Atom Cats se font dans le sentimental, hein. Au Mais fait, c'est le cas. J'irai jeter un œil à ton taf. Pas question qu'on fasse porter le chapeau aux Cats si le boulot est dégueulasse. Alors comme ça, il a réussi à réparer la pompe des Warwick. Qu'est-ce qu'on fait? On lui refile un autre truc bien pourri? Salaud! Il y a des artilleurs qui se pointent! Putain, merde. Ils vont pas recommencer! On va se les faire! Où ça? Où ça? Tirez-moi de là! Allez, oh, tirez. C'est pas des artilleurs, ça. Planquez-vous. Ah si? Pas un geste, soldat. Ok, t'as pas réussi. T'as choisi la mort. Pas un geste, soldat. Ok, toi aussi. Putain. Je sais pas ce qu'il a comme arme. Mais il me tire pas dessus. Je préfère esquiver les balles. Hop, la tête. Alors, l'ami. Où est le dernier? Merde. Oh, la colombe qui s'envole, quoi. Digne d'un film américain. Mais putain, mais je veux pas monter par là. Oh nom de Dieu, je vais pas louper la bataille pour ça. Eh, hey, pétez pas mon chez-moi. Tiens, meurs.
Mais merde, y'en a un juste devant toi. On a réussi. Hop là. Pour cette fois. Reaper. Oh. Oh, il est arbalèze celui-là. Bon, ça c'est bon. Ça c'est une putain de bonne nouvelle. Tu sais que t'es stylé, toi. Allez, pourquoi je me prends autant de rad? Hop, ça tombe bien, j'en utilisais un. Yo les filles. Zeke. Merde, des artilleurs. Ces enfoirés, arrête pas d'essayer de nous piquer nos armures. Tu m'étonnes. Toi, tu cartonnes. Grâce à toi, on n'a pas perdu un seul gars aujourd'hui. De rien. C'était rien. C'était rien. Non, t'es topissime. C'est toi, c'est à la vie, à la mort maintenant. Ah bah je veux bien. C'est chez toi. Je peux même te faire des prix sympas si tu veux. Et voilà le graal de tous ceux qui savent ce qui est cool dans le Commonwealth. Ton propre blouson des Atom Cats. Porte-le avec fierté. Alors j'ai un sac à dos les amis, hein. Vous allez voir. Hein. J'ai un sac à dos, mais j'en ai rien à foutre, je le porte quand même. Je les aime ces mecs. Ils sont géniaux. Qu'est-ce que... Ah oui, je me rappelle de ça. Où qu'il est ? Oh, you touch my tralala. Oh, my ding ding dong. Ouais, non, c'est bon, ça me va. J'aime porter leurs couleurs. Ils sont cool. Lui, il se baladait avec un chalumeau, va comprendre. Et maintenant ? Zeke. J'aurais bien aimé vivre avant que le monde parte en sucette. Les gens de l'époque, wow, ça devait être cool. Ouais, mais toi, tu t'es téléporté, toi. Ok. Rowdy, peut-être ? Ça, c'est Kate. Où est Rowdy ? What ? What ? Je tourne autour depuis le début ! Excellent. Je rappelle pour ceux au fait qui ne suivent pas l'aventure qu'on va bientôt approcher de l'épisode 100, on doit être à l'épisode 95 avec celui-ci. Donc du coup, moi j'aimerais vous demander, chers amis, ce que vous souhaiteriez voir dans l'épisode 100. Quel défi vous souhaiteriez me donner ? Voilà. L'appel est lancé, j'espère que vous y répondrez. Rowdy. Ça y est. Rowdy. Tu veux te faire bricoler ton armure assistée ? T'es au bon endroit. Tu sais, les cats ont les modules les plus cools de ce côté-ci de l'enfer. Non, moi j'aimerais une mission. Comment vous avez atterri ici ? Je faisais partie d'une bande de pillards avant. Je voyais pas quoi faire. Ok. T'es complètement buggé. Rowdy. Ça roule ma poule ? T'es là pour te faire astiquer l'armure par les Atom Cats ? Oh, pas que l'armure, hein ! Comment vous avez atterri ici ? Je faisais partie d'une bande de pillards avant. Je voyais pas quoi faire d'autre, quoi. Un jour, un raid a mal tourné et les autres m'ont laissé à moitié crevé sur une autoroute. D'accord. C'est Zeke et ses gars qui m'ont ramassé, un jour qui cherchaient des pièces détachées. Ils m'ont remis sur pied et ils m'ont montré que je valais mieux que ces salauds. Maintenant, je reste parce que je sais que les cats m'abandonneront jamais comme une merde. Ok. Et vous avez pas d'autre mission ? Vous êtes cool, moi je vous aime. Udada. Oh là 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 ! Ils sont cool ! Vous êtes cool les mecs ! Zeke, j'ai déjà causé. Blue Jay. On a du matos de dingue. Tu veux jeter un œil ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf, pied plat ? Avant, on faisait du business avec des mecs de Quincy, jusqu'à ce que les artilleurs les dégagent. Depuis, c'est pas évident de s'approvisionner. Font chier ces cons-là. Ils allaient se faire foutre, tiens. Ah, c'est con, j'aimerais vous aider, les mecs. Roxy. À fond, chaton. Endroit ? Vous pourriez m'aider à me familiariser avec cet endroit ? Et comment ? Je vais te faire une petite présentation des Atom Cats. Oh non ! Rodi, elle gère les modules d'armure assistée. C'est la nana la plus cool que je connaisse. En général, elle est au garage. Blue Jay, il s'occupe d'acheter et de vendre tout ce qui n'a pas de rapport avec les armures. D'accord. Ensuite, Duke et Johnny Day, ils surveillent le coin pour empêcher les mecs paréglots de venir foutre la merde. Ok. On a presque fait le tour. Zeke, c'est le patron. C'est lui qui a créé tout ça. Il n'y a pas de mec plus cool que lui. Tu peux toujours chercher. Si, à moi. Et puis moi, c'est Roxy. Je suis la dernière arrivée. C'est bon ? Tu t'en souviendras ? Ok, moi je veux des missions, les mecs. Pardon. S'il y a encore des artilleurs qui ramènent leur sale gueule dans le coin, je vais péter un câble. Tu m'étonnes. Il y a aucun moyen de nous aider ? Oublie pas, faire partie des Atom Cats, c'est être cool dans un monde pas cool. Être cool dans un monde pas cool. Ça, c'est le nom de l'épisode, chers amis. Ça, je le note.
Hop. Le petit crayon. Être cool dans un monde pas cool. Voilà. Ça, ça sera le nom de l'épisode. Ça, c'est bon, ça, chers amis. Hop. Bon. Eh ben écoutez, vu qu'on n'a pas rien à faire ici, ça me fait chier de l'admettre. Mais on va retourner voir les autres trous du cul. Qui sont normalement, si je ne me trompe pas, là-bas. Comment je vais faire pour sortir par là, par contre? Blah. Falloir que je me fasse quelque chose pour ce sprint, hein, qui soit un peu plus long. Peut-être mettre plus de points dans... Il y a des munitions? Non, c'est une valise. Oh là, il y a des rats par contre par là, ouais. On pourrait éviter les radiations si possible. Ça me file la gerbe. Note d'un survivant de Quincy. Alors. Divers. On a un niveau en cours en plus. Allez! Note d'un survivant de Quincy. Maman est morte ce matin. Plus rien ne nous retient ici, Nathalie. Le maire Jackson ne peut pas nous protéger. Les miliciens non plus. On doit se débrouiller seul. Il est temps de partir. Retrouve-moi près de l'entrepôt au nord de la ville, au coucher du soleil. J'ai caché des capsules dans la benne. Un bateau nous attend sur le rivage. On va remonter la côte jusqu'à l'ancien fort de mer. L'ancien fort de mer, pardon. Avec un peu de chance, on aura atteint Good Neighbor avant l'aube. J'aurais aimé que ce soit le cas pour vous. Je suis sincèrement désolé. Bon, on n'a plus qu'à traverser, chers amis. Il y a des bancs de sable. Qui dit banc de sable? Ah la vache. Pas prévu, ça. Ouais, au final, c'était peut-être mieux de passer par la terre. Donc, je disais, qui dit banc de sable dit aussi normalement. Ouais, on va passer par la terre, c'est pas grave. Qui dit banc de sable dit normalement. Fangeux, mais on en a pas. J'ai déjà buté ceux-là la dernière fois. Enfin, il n'y avait pas de fangeux, il y avait des darillons ici. Donc, bon, de ce côté-là, on est plutôt. Bon. Ok. Il y a un phare là-bas, ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir. Une fois qu'on aura revu ces trous du cul là-bas. Alors eux, j'espère qu'ils n'ont pas repop. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Enfin bon, tu me diras, ça, le résultat est le même. C'était ce qui était prévu. Alors, est-ce qu'ils ont des quêtes à me proposer? Moi, je veux bien aller voir dans la station d'épuration. Y a pas de souci. L'avantage de jouer à un jeu vidéo, c'est qu'on n'a pas encore l'odeur. Pas encore. Et je pense qu'on l'aura un jour. Hein. Soyons honnêtes. Roger. June est une sacrée cuisinière. J'ai pas honte de dire que c'est en partie pour ça que je l'ai épousée. Tu m'étonnes. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Maman et papa étaient bien plus. C'est sa gamine. Bill. J'ai rien à vous dire. Allez voir ailleurs. Je l'aime pas lui. Désolé, je traverse une période difficile. Excusez-moi. J'ai quelques trucs à vendre si ça vous intéresse. Dieu sait que ça n'a pas toujours été le cas. Miaou. Tant difficile. C'est vrai que vous avez eu une période de vache maigre. Ouais, des super mutants ont déboulé un jour et ils ont saccagé la ferme. On a bien failli mourir de faim. Tu m'étonnes. Enfin, ça va beaucoup mieux maintenant. Regardez-moi ça, on manque de rien. Je vous le dis, moi, pour se lancer dans l'agriculture par ici, faut savoir se battre. Ouh. Vous n'avez jamais pensé à engager des gardes? Pourquoi ne pas engager des gardes? Même si on pouvait les nourrir, les loger et les payer, faudrait déjà trouver des gens de confiance. Quand il s'agit de protéger notre famille, on peut pas laisser de place au hasard. Bah les Kate, les quatre. Vous avez une famille? Parlez de la famille, hein, Maquet. J'ai un fils. Sean. Sean. J'ai perdu ma femme. Oh, excusez-moi, j'aurais pas dû poser une question aussi indiscrète. Non, mais y a pas de problème. Que vous m'en voulez pas trop. J'ai accepté de t'y répondre. Qu'est-ce que c'est, vous devriez, j'ai pas Et suivi. Il n'a pas tort. Ce n'est vraiment pas correct. Vous avez raison.
Laissez-moi me rattraper, d'accord? Oh! Tenez, prenez ceci. Ah, faut c'est un objet. Je suis suffisamment mise dans l'embarras comme ça. Mais ça me fait plaisir de vous parler. J'espère que vous reviendrez nous voir. Prenez soin de vous. Ah non, j'ai pas envie de te piquer tes... Non, je suis pas comme ça. Excuse-moi. Pas de soucis. C'est pas grave. Vous ne pouviez pas savoir. C'est gentil à vous de me dire ça. Je crois que je me suis suffisamment mise dans l'embarras comme ça. Mais ça me fait plaisir de vous parler. J'espère que vous reviendrez nous voir. Prenez soin. C'est vraiment des gens gentils, hein. Incroyable, hein. Il me trouve le cul, franchement il me trouve le cul. On avait un niveau à mettre. J'y pense maintenant. D'accord, ok, donc la force. Poids que vous pouvez porter. Perception, endurance. Ah, c'est d'accord, je comprends mieux pourquoi en fait je sprint pas des masses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme poids? J'avais dit que je voulais le mettre pour qu'il apparaisse plus souvent. J'aimerais bien le voir dans cette aventure. Le mystérieux étranger. Ah bah merde, c'est où? C'est là. Ok. J'ai vu une porte. Si je peux réparer la station d'épuration, je vais le faire. Qu'est-ce que... Oula! Oula là! C'est bizarre! Il y a des jouets tout autour. Ok, c'est très 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 bizarre. Donc, je présume que c'est par là. Oui, enfin bon, je vais pas vous piquer ce que vous avez aussi non plus, hein. Vous êtes des gens bien de toute façon. Je vous apprécie beaucoup. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Raté. Peut-être qu'il faudrait une armure assistée, là. Une batte de baseball qui flotte. Là, mais j'y étais pourtant! Non, je vais y arriver. Bla. Oh! Est-ce que ce jeu va me respecter finalement un jour? C'est ça la véritable question. Mais j'ai sauté pourtant! Hey! Voilà! Problème résolu. Ouvrir. Oh non! Y'a rien à réparer? Je peux pas aider. Ça me ferait mal. Franchement, chers amis, ça me ferait mal. Oh merde! Oui! Il y avait un visage d'enfant dedans, c'était à peine glauque. Oh, je peux pas réparer. Cette haine! Tu vas te trimballer ces merdes? J'ai rien pris, c'est bon, tu te calmes. Ah, oh, je suis vexé, je voulais aider, moi. Donc, ils ont aucune quête à me donner et... Voilà, il manque peut-être quelque chose, là. Ok, bon, bah tant pis. Alors, deux groupes super et je peux pas les aider plus que ça, c'est dommage. Quand je disais qu'il manquait des quêtes à ce jeu, bah au final j'aurais préféré avoir un peu plus tort. Il y a une route qui part par là. Poséidon énergie. Allez, j'ai pas de quête ici qui m'emmène. Hyde Park, j'ai terminé. Ah bon? Oui, bah alors eux, je les bute aussi à condition que le prix me convienne aussi, hein, c'est pareil, hein, y a pas de raison. Hein. Oh, le moule couille, le protège couille qu'il a, quoi. Ah oui, je m'en rappelle. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Comment ils sont?
What? What? Alors ça me téléporte où? Parce que What? C'est pendant le discours, non? Non, même pas. Bizarre. Donc je sais qu'il y a rien, donc c'est pas la peine d'y aller. Attendez. Comment ils ont pu me faire autant de dégâts? Et pourquoi je les ai pas vus alors que dans le précédent épisode j'y suis allé? Ou dans l'épisode d'avant peut-être, à tout péter, mais alors là... Là on va pas être d'accord. On va pas être d'accord. Moi j'en veux un pour me balader avec. Oh, je suis mauvais. Il y avait pas. C'est tout ce que tu sais faire. Il y avait des. Je comprends plus, là, chers amis, je l'avoue. Puis ils étaient nombreux en plus. Enfin, je capte. Sang de bois. Ces foutus pillards sont pires que des moustiques à cette époque de l'année. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Qu'est-ce qui branle, lui? Mais c'est quoi ce bordel? Taylor, c'était des... Je comprends pas. Oui, je te pille allègrement, hein. C'est, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais alors là, je comprends pas. Taylor, c'était des... Comment des... Des peaux vertes, là, des super mutants. Comme ils disent. Maintenant, ce sont des pillards. What? Oh. Je capte pas. Mais alors, pas du tout. Ok. Bon, de toute façon, on a des choses à aller voir. Je viens de penser à plein de choses qu'on n'avait pas faites encore, chers amis. Et il est temps d'aller les faire. Par exemple. Vous allez voir, normalement, on part à Covenant, hein, vous allez voir. Déjà, ça va vous rappeler des souvenirs. Ah, ça devrait... la texture, s'il vous plaît. Les textures. Texture. Ah, merci. Hop. Si on veut faire de vieux os dans ce boulot, il faut partir du principe que tous les autres veulent votre peau. Si vous avez un minimum de jugeote, ne touchez pas à la bramine. Les affaires vont bon train. Attends, excuse-moi, je rengaine. Bonjour. Salut, Lucas. Mes armures ont sauvé bien des gens dans les terres désolées. Je veux bien te croire, je suis repoussé par ta... Ah bon, bon bah j'ai pas droit. Ah si, quelques minutes pour jeter un œil. J'ai du stock. Choisissez ce qui vous plaît. Ok. Il a quelques cartouches. Ouais. Niveau armure, j'ai ce qu'il faut, t'inquiète. Ok. Alors, normalement, en partant par là... Si je me trompe pas, hein. Ouais, c'est ça. En partant par là, on va retrouver une route... Qui était très mortel à un moment, très mortel, je sais pas si ça se dit, hein, à un moment de notre aventure, car elle était remplie de moustiques. Mais genre vraiment remplie. Et donc justement, suite à cette difficulté au nombre de super mutants qu'on avait eu à l'époque, j'avais fait le choix de ne pas m'attaquer à... Ah zut. Bah, un instant, chers amis, je vous fais une ellipse, parce que là il se met à pleuvoir dru derrière. Et vous allez voir le vieux son de la mort qui tue derrière moi, donc c'est pas cool. A tout de suite. Voilà, re, chers amis, apparemment ça s'est calmé un petit peu. On va essayer d'en profiter. Alors on avait vu un petit point rouge là-bas. Vous voyez, ça clignote. Une minute. T'as entendu quelque chose?
Ok, il vient vers nous. Faut que je réduise les doses. Quelqu'un nous suit. Ok, génial en plus. Attends un peu que je t'en... Oh là, il va me faire mal lui. Peut-être son pote. Non, c'est bon. Alors, où vous êtes les mecs? Super mutant. Ok, c'est bien ce qu'il semblait, j'ai cru entendre des explosions. Le kamikaze. Et on est reparti. Alors, oh, ça flotte encore un peu derrière. J'espère que ça va au niveau du son, chers amis. Je suis sincèrement désolé. Voilà, voilà ce que je voulais éviter la dernière fois que je suis venu. Attends. Bien essayé, connard. Ok, ils sont solides. On nous suit ou quoi? Mais non. Ok. Là, j'aurais bien aimé avoir un coup de main. Oh non, tu vas pas m'échapper. Honnêtement, je m'attendais à pire. Quoi? Wow, c'est quoi ce bordel? C'est un ratope. Ou un molosse, je sais pas. Voilà, problème résolu. Hop. Maintenant, hop. Oh la vache, il y avait encore des trucs au nord. C'est marrant ça. On va pouvoir y aller après. Ou en tout cas, peut-être dans le prochain épisode, je sais pas. En tout cas, maintenant, on va rentrer là-dedans. On ne l'avait pas fait la dernière fois. Maintenant, il faut qu'on le vide. C'est parti, chers amis. Ça va chier les bulles carrées octogonales. Oui, carrément. Ça met dans l'ambiance. C'est quoi ça? Ça, c'est ta mort. Non. Oh putain. Des kamikazes dans un bâtiment. Oh merde. Bien joué, microbe. Hey. Hop. On a trop de choses sur nous, chers amis, ça va pas le faire. Oh merde! Quoi? Merde, elle est pleine aussi! On va virer ça. C'est pas grave. Ok. 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 Si tu veux jeter des détritus sur la voie publique, essaie au moins de balancer un truc qui vaut rien. Compte sur moi. Oh là, salut toi. Tu voulais me faire un collier avec quoi? Gros dégueulasse. Quelqu'un nous suit. Aïe, aïe. T'es où? T'es là-haut. Jouer avec toi? Non, ça ira, je te remercie. Ah, le voilà! Et tire! Ça y est! Merci, mon pote! Attends, t'as entendu? Je suis pas pressé, je peux attendre toute la journée. Ok. Ok, aïe. Je les vois pas. Hein. Ça y est. Oh, boum. Ça doit faire mal.
Ok, apparemment il y en a encore un. Bon, apparemment il est pas par là. En tout cas. Bon, terminal, on va essayer de le débloquer comme ça, hop. Trey! Non, c'était pas Trey. Loss! C'était pas Loss. Ça peut pas être Luck. Rise? C'est pas Rise. Ceci? Non. Hop, non plus, c'est pas ça qui m'intéresse. Là aussi, non plus. Ici. Ça commence à devenir intéressant. Rien de ce côté. Quelque chose ici. Hop. Alors, viens voir papa. Viens voir papa. Là. Hop. Bon, voilà, on a ce qu'il faut. Ça peut pas être note. Ties, c'est pas ties. Est-ce que ça pourrait être rear? C'est pas rear. Alors là, je comprends pas. J'y suis. Comment ça pouvait être note? Il y avait un... Bizarre. Alos, ça aurait dû me faire deux alors du coup. Activer unité. Hop. Activation. Protectron au rapport. Oula, mais on m'insulte en plus. En tout cas, l'endroit est assez glauque, hein, faut le reconnaître. Hop. Alors. Mon cher monsieur, vous avez une sale gueule. Oh merde. C'est grave, docteur. Ah bah écoutez, vu le ravalement de façade qu'il faudra vous faire, je pense qu'il vaut mieux amputer au niveau du cou. Vous serez plus tranquille. Alors. C'est un peu ça, la véritable médecine aussi, donc bon. Franchement. Ok, bon, c'est con. Bonjour, je cherche la morgue, s'il vous plaît. Bah, je crois que je vais la trouver si je continue comme ça. Hello? C'est classe! Par contre, avoir le coffre dans le sol, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible. C'est pas tendance, en fait, comme dirait l'autre. Hop, les. C'est bon. Non, non, j'ai pas besoin d'aide, c'est bon, tu peux fermer ta bouche. Ah non, mais tu vois bien qu'il est ouvert. Tiens, regarde, un terminal. Est-ce que tu sais faire ça? Agreed, non. Ça peut pas être weaker. Knight, ça aurait pu. Alors, ça peut être un truc qui finit par un S. C'est pas un truc qui finit par un S. Donc. Alors, viens voir papa. Oula, mais je sens qu'on n'aura pas grand chose sur celui-là. C'est marrant. Eh B, quand on n'a pas de bol, hein. Oh la vache. Ce manque de chance. Bon, essayons de trouver autre chose. Essayons de tenter notre chance un petit peu dessus. Ouais, vous voyez ça? C'était pas de la chance, c'était le T en fait qu'on avait. Commande du coffre-fort. Hop. Je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave. Je l'ai reverrouillé du coup. Hey, je pourrais me refaire de l'XP là. Enfin bon. Yo les filles. Des munitions. Oh bah merde. Oh bah merde. Hop, voilà. Joli. Des fois, faut pas chercher bien loin. Ok. Document technique, je le prends juste pour la forme.
Des cartouches, une boule de bowling. Pourquoi je l'ai prise encore? Putain, j'ai cru que ça bougeait au moment où je l'ai pris. C'est des cadavres humains, c'est dégueulasse. Il y a du vent dans la maison. Enfin, dans le bâtiment. C'est dégueulasse aussi, ça, d'ailleurs. C'est la marmite! Bon. C'est quoi ce bruit? Bon. Mieux que bramine ou insecte. Tout est mieux qu'insecte. Pas cool. Ben alors, vous êtes où? Pas cool. Seul petit bruit. J'entends quelque chose. C'est un ascenseur? Ah, c'est quoi ça? Mais pourquoi y a pas de bouton dans l'ascenseur? Ben, j'entends des bruits. Un bruit. C'est l'heure de... Moi qui récupère le matos. Si tu veux. Un petit peu de jet. À la cafette, il y avait une poche de sang. Mais qu'est-ce que vous bouffiez, putain? Ok, là c'est dégueulasse. Par contre, il y a des munitions là-dedans. Il faudrait qu'il y ait un impact psychologique dans le jeu, genre un mode, ouais tout simplement un mode simplement, où il y aurait un impact psychologique sur les différentes actions du personnage. Parce que fouiller dans un sac de viande, humaine, croyez-moi ça doit pas être simple à faire. Hein. Bon, y a rien. Oui effectivement c'était rien et il y a rien, hein. C'est... catastrophique. Alors. Cool. Alors. Oh, ce qu'il a pris. What? Aïe. Les points de vie. Peut-être sortir le flingue. Ranger le flingue plutôt. Qu'est-ce qui nous fait des dégâts par là? Ok. T'as trouvé des trucs sympas? Sympa, c'est pas le terme que j'emploierais. C'était sûrement rien. Tu me fous les boules toi. Je suis propre, hein. J'ai une douche dans mes appartements à l'institut. Oh! Bon. Pas grand chose là-dedans quand même, hein. Enfin, franchement, je m'attendais à mieux, quoi. Coupons la lumière. Clé du bloc opératoire, bah pourquoi pas, tiens, hop. Je vais pas tarder à te trouver. Mais oui. Ou alors c'est moi qui te trouve et qui te plombe. Je te sens, petite fouine. Je te sens, mon garçon. Ah oui. Je pue à ce point-là. Tu n'as rien vu. Mais qu'est-ce que tu foutais là? J'ai déjà buté. Oui, c'est bon ça. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Si ça c'est pas bon, chers amis, je vois pas ce qui peut l'être. Ah oui, c'est vrai, ils ont déjà dit je t'aime et tout. Ah oh, putain. C'est pas ce que je voulais à la base, hein. Soyons honnêtes, c'est pas du tout ce que je voulais. Hein. Il y aurait que moi, je serais resté fidèle à ma femme depuis le début. Hein. Mais bon, j'ai été violé, hein, faut le dire. Kate m'a violé. Et donc, comme ça, le bloc opératoire, il est au dernier étage. Oh.
Oh! Drogue! Bon! Broadcast! Hop, c'est pas ça, dommage, j'aurais espéré. Bartering! On n'a rien qui commence d'autre par un B, donc c'était pas le B. Alors, contained. Non plus. Ok, bah quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre ? Ici. Hop. Rien de ce côté. Rien par là. On a vraiment pas de chance. Hein. Est-ce que c'est primitive ? Putain, c'était primitive. Porte de sécurité. Ah. Il y a du lag. Hein. Dans leur vieux PC. Ok. Sympa. Ça, c'est bon ça, il y a même un échiquier là-dedans, et dis donc. Ouais. Hop, hop. Bon, je m'attendais à mieux, à vrai dire. Hein. C'est marrant qu'il n'y ait plus personne. Pourtant, c'est la partie intéressante. Oula, j'ai cru entendre quelqu'un. Non, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête, chers amis. Il y a des voix dans ma tête. Alors. Ouh, tout le case. Hop. Ça y est. Le pistolet, j'en ai rien à cirer. Crac. Quelle t'a aimé? Bah, tu m'étonnes qu'elle a aimé. Moi. C'est quand même moi, merde. C'est normal qu'elle aime. Ah, hop. Je suis passé à côté de tout ça, c'est cool. C'est dire le nombre de choses à côté desquelles que j'ai dû passer. Par contre, si la clé du bloc opératoire, elle est là. Techniquement. Le bloc devrait pas être loin. Enfin, je sais pas, ça me semble logique. Ou alors c'est la porte du haut que je n'ai pas. Ah. Yo les filles. Bon, on a quoi de prévu ce matin? Kate. Non, 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 pas ça. Alors. Extinction des lumières. Musique d'intervention, on va la mettre. Ensuite. Hey. Kate, mais non. Ça vaut la peine. Allez voir ce que c'est. Déverrouille, et moi, je te couvre. Tu veux bien? Kate? Hey. Ouais. Y a quelqu'un? Allez voir ça. Bah, j'entends des bruits, hein? Mais pas par là! J'entends quelque chose. Mais quel est con? Ça a l'air jouable. Qu'est-ce que... Presque. Qu'est-ce que... Mais quel est con ? Bute le molosse. Je peux pas le buter de là-bas. Ah, il y a une vitre ? Qu'est-ce que... Je pensais avoir vu. Tu arrives ? Non ? Oui, c'est bon. Ok. C'était très bizarre, elle a fait tout le tour pour aller déverrouiller la porte alors que moi, je voulais juste lui demander de... Enfin... Oh. C'est duct tape. Cachette de capsule. Ok. Ça, l'opération, c'était violent. Hein.
Je sais pas ce qu'il lui faisait, remarque, mais... Oh. Ah. Je crois que j'ai été bouffé par un truc. C'est quoi ce bordel? Oh. Merde. On commençait à peine à se marrer. Merde, je suis plein à craquer. Je suis plein à craquer. Est-ce que j'ai une vieille arme moisie à mettre? Ah bah oui, j'ai un vieux Fat Man. Hop, je vais déposer. Crac. Pas grand chose non plus, hein. Hop. Ouh, des menottes. Le fusil à seringue. Ok. Moi, c'est plutôt le fusil à clous qui m'intéresserait, à vrai dire. Hop. Oh. Pillard, mais qu'est-ce qu'il prend là, lui? Putain, c'était des pillards avant qui étaient là. Pourquoi une clé pour lui? Je comprends pas pourquoi avoir mis une clé ici, en fait. Bon, sûrement pour le RP, il s'était enfermé, quoi. Putain, mais il y a vraiment une vitre, en fait. Oui, il y a une vitre. On la voit pas, hein. J'aurais pu me prendre le carreau en pleine gueule. Bon, on y retourne. Ok. Hop. Chute aurait pu être douloureuse, je pense. On sort. Et crac. Hop. Bah vous savez quoi, je pense qu'on va aller faire l'exploration jusqu'à la zone suivante, là, la zone au nord. Et on se laissera sur place. Ça pourrait être intéressant de le faire comme ça. Alors. Mais c'est joyeux par là, dis donc. C'est pas dans cette ville-là qu'on avait croisé nos premiers synthétiques aussi, d'ailleurs. Tiens donc, c'est bien ceux-là. Ok. Oh putain, je viens de faire un sprint sur 10 mètres, je suis complètement crevé. Ah mais non, il y a plein de trucs au nord, en fait, d'ici. Qu'est-ce que... Non. Faut une arme qui ait de la gueule. Dans un face-à-face, une arme qui est plus grosse qu'elle ne devrait l'être, ça foutra les boules. Qui sait? C'est bien pire. Qu'est-ce que... Comment j'ai pu le louper? On veut s'amuser avec... Boum! Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Oh. Je suis désolé, le chien. Oh! Oh, il a abattu le chien! Oh! Oh putain, c'est d'une violence. On va pouvoir t'en sortir, hein? Ah, c'était des... J'ai quelque chose de cassé. Un couple de femmes. Encore. Comment, hein, c'est moi qui récupère le matos. Autrement. Ok. Bon, pourquoi pas. Ça me fait chier de les avoir abattus, du coup. Elles méritaient pas ça. Ça se trouve, c'était juste des pillards, mais des survivantes, quoi. Ah, oh, puis elles avaient un endroit romantique, en plus. C'est sûrement de là qu'a jeté tous les mecs qui est chopé. Ou alors c'est un pas le snipe, ça dépend. Voyez-le comme vous le voulez, chers amis, hein, après tout, pourquoi pas. On va aller voir quand même sur la zone, sur le ponton, l'espèce de petit ponton. Hop. Étang de Dark Hollow. Putain, ça m'a foutu les boules, ce laser vert. Hop. Ok, pourquoi pas. Elle avait un calibre 50 quand même. Ok, ok. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dans votre lien dans la barre de la chaîne, n'hésitez pas à commenter la vidéo, pardon, quant au 100ème épisode, ce que vous voulez voir comme défi, si vous voulez par exemple, je sais pas moi, que des armes à une main, par exemple genre les pistolets, donc entre guillemets, que des armes automatiques, que des armes qui n'ont une précision moisie, que des armes au corps, je sais pas, que je sois à poil, que je sois tout en armure assistée, ou une armure assistée modée, je sais pas.
J'ai une armure assistée modée que je pourrais vous proposer, qui est totalement, qui n'a aucun rapport avec le monde de Fallout 4, on va dire. Hein. C'est clairement ça. Je peux la crafter si vous le souhaitez pour l'épisode 100. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des défis pour cet épisode 100. Moi, je serais ravi de, en tout cas, choisir parmi ce que vous allez me proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop.